Bonjour, je m'appelle Vincent Fancerie, producteur de pommes dans le sud-ouest, plus précisément dans le Tarn-et-Garonne, sur le secteur de Moissac. Donc on est ici sur une exploitation familiale, je suis donc la quatrième génération et nous exploitons une vingtaine d'hectares de pommiers. Bonjour, Tony Petit, société Fréjavise, dont nous sommes concessionnaires de machines agricoles dans le Tarn-et-Garonne et distributeurs pour une grande partie de la France de la marque Collard pour les effeuilleuses arboricoles. Les gros intérêts de l'effeuilleuse Collard, premièrement, c'est un surpresseur qui a été développé exclusivement pour l'effeuillage. C'est ces têtes, en fait, ces quatre têtes modulables, indépendantes, qui vont permettre d'augmenter l'effeuillage sur certaines parties basses et de rester avec un effeuillage, on va dire, standard sur la partie haute où on a moins besoin d'effeuiller. Le deuxième point fort de l'effeuilleuse Collard, c'est sa faible prise de puissance. Donc cette machine, comme elle est derrière moi, elle en quatre têtes, elle demande 67 chevaux prise de force. Donc avant l'acquisition de cette machine, la coloration se faisait naturellement. Les feuilles restaient sur les arbres, donc ce qui empêchait les rayons du soleil de faire colorer les pommes. Au niveau de l'aspect cosmétique, cette machine nous permet d'améliorer les qualités d'ensoleillement du fruit au moment de la prise de coloration avant la cueillette. Donc cette machine permet aux cueilleurs d'avoir une meilleure appréciation et une meilleure vue du fruit au moment de la cueillette. Aujourd'hui, grâce à cette machine, on a gagné en qualité de travail, on a gagné en qualité de fruits surtout, et on a gagné énormément de temps au niveau de la cueillette et de la précocité de ramassage. Donc pour conclure, le fait de ramasser plus précocement et d'avoir une coloration meilleure, le consommateur s'y retrouve davantage avec des fruits plus colorés et meilleurs.